La boutargue, la poutargue ou le caviar méditerranéen, c'est un produit qu'on va vous faire découvrir ou plutôt redécouvrir aujourd'hui avec un spécialiste, Coscas et Fils, une maison qui existe depuis 30 ans. Et pour en parler, je suis avec Franck Coscas, le fils du fondateur. Comment ça va Ça va super, bonjour Roman. Merci d'être là aujourd'hui. Avec plaisir, merci à vous de me recevoir. Alors, ça fait 30 ans que ça existe, Coscas et Fils. Raconte-nous un peu l'histoire si on vous a un petit flashback en arrière. C'est ça, 30 ans. Voilà, D'ailleurs, je ai... dédie. Cette émission à mon papa, qui est parti au mois de septembre, ah, tout bon et de qui nous manque euh, beaucoup. Donc c'est lui qui a, qui a tout lancé, il y a, a 30 lancé. ans, D'accord. en 1991. Euh, pourquoi il s'est intéressé à ce donc, produit euh, C'est mon ouais. grand-père qui, qui a commencé avec euh, la boutargue en Tunisie, euh, à la Goulette, et mon père a toujours euh, baigné dedans, il a toujours euh, vu la boutargue, goûté la boutargue, et en venant en France, sur Paris, il a décidé de, de refaire ce qu'il savait toujours faire. La boutargue. Alors, est-ce que tu peux nous rappeler c'est quoi comme poisson la boutargue Pour ceux qui ne le savent pas. La boutargue romane, ce sont des œufs de mulet. OK. Ils sont séchés, salés. Et pourquoi c'est alors abrité dans cette euh, coque voilà, qu'on peut voir ici Parce que bon, il y a différentes formes. Il y a aussi la boutargue râpée, la boutargue comme ça. Mais bon, la plus connue, c'est quand même ça. Pourquoi cette cire blanche La cire euh, permet à la boutargue d'être euh, conservée. OK. C'est son conservateur à elle car elle n'a aucun additif, aucun colorant, elle a rien du tout. Nature. Elle a juste de la cire et du sel. Donc ça permet euh, vraiment une longue conservation. Qu'est-ce qui fait la force de votre produit à vous bah Nous, Coscacefis, nous sommes les rois de la boutarde. C'est notre slogan d'ailleurs. Et on a toujours... Euh était baigné dedans. Mon père a toujours fait ça et il a un savoir-faire unique que son grand père lui a, tra père lui a transmis. Donc j'imagine qu'il y a plein de passages, hein, qu'il y a beaucoup de monde qui vous achète de la boutargue. Est-ce qu'il y a une personnalité, quelqu'un de bah, de connu qui est, qui est venu acheter votre produit euh... C'est extraordinaire. Il y a le président du Paris Saint-Germain, Nasser... Nasser El Khalifi. Ah oui, ah il est, est venu marrant. à la boutique du 16e. Il okay. voulait se faire un bon petit plat le soir. C'est ouais. ça, il avait envie de, de boutargue. Et Il y a aussi euh, Clara Luciani. La chanteuse. La chanteuse, la oui, magnifique elle, chanteuse. Elle est corse. Elle est corse. Okay, elle adore la boutargue. Elle est venue aussi à la boutique. Euh... Tous ces produits, ça fait rêver. C'est quoi le plat le plus ouf pour toi qu'on qu peut manger avec de la boutargue Vraiment le plat typique. Euh... The plat. The plat. C'est les spaghettis à la <laughs> boutargue. T'es sûre que dire ça Avec un, un zeste, un trait d'huile d'olive. Voilà, filet d'huile d'olive, oh citron, un peu d'ail à la zanoni. Quand c'est bien, 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 bien chaud. Et après, on déguste. Alors, moi, je connais la boutargue avec un zeste de citron. Mais avec quel autre produit peut-on euh, bah, déguster la boutargue, Franck Là, on a innové. On a fait une boutargue à la truffe. C'est celle-là. C'est celle-là, exactement. À la truffe noire. À la truffe noire, exactement. Elle est euh, très, très euh, subtile. C'est euh, très innovant. C'est aussi au, au piment, au, à plusieurs. Euh, et bientôt, une petite surprise avec... Euh, un, une petite boisson euh, connue mais euh... <laughs> La <bras. rire> voilà bien Alors, si on parle un peu des produits donc tu nous as emmené, emmené les boutargues traditionnelles qu'on connaît la boutargue râpée donc okay. ça c'est facile pour saupoudrer comme tu dis pour les pâtes cœur de boutargue de cœur de la boutargue c'est ça tout simplement il n'y euh, a pas les extrémités <laughs> le et puis il y a aussi d'autres produits que tu vends enfin voilà. j'imagine dans votre belle boutique il doit y avoir pas mal de produits euh, assez frais enfin assez euh, raffinés donc tu as voulu vraiment élargir la gamme, quoi Voilà, on développe un petit peu. On a créé notre marque de thon qu'on a fait fabriquer spécialement pour nous en Tunisie avec une ventrèche et euh, une conserve euh, classique. La Tunisie, c'est marrant parce qu'avant tout on a eu euh, on a eu, euh, Bokobza avec la bourra. Donc c'est vrai que c'est des produits qui se bon voilà, c'est super. C'est parfait. C'est parfait. C'est parfait. C'est le mariage parfait. Et alors tous ces produits, c'est fabriqué où exactement Ça vient pas ça vient pas de Tunis Non, pas du tout. Ces produits sont 100% de fabrication française. On a notre laboratoire qui est à Paris et de là, tout sort. Je crois que vous avez trois boutiques à Paris et en Ile-de-France. Elles sont situées où déjà Tu peux nous rappeler Donc, on a la première boutique qui est située à, à la Villette. Ça fait 30 ans qu'on est là-bas, okay. avenue corentin Cariou. Une autre boutique qui est dans le 16e, 89 avenue raymond Poincaré Et enfin, la boutique où je me trouve moi, au 250 boulevard voltaire Paris 11e. D'accord. Donc, je crois que ton frère, il tient la boutique du 16e Exactement. Et ton autre frère, la boutique de La Villette. Johan dans le 16e, Stéphane à La Villette. Tu tiens un site internet et tu vends à l'international. C'est ça, exactement. Le site vous permet de commander en ligne, partout dans le monde. Et on expédie ça et on. 24, 48 heures, c'est chez vous. Bah, merci euh, Franck donc, de nous avoir euh, montré tous ces beaux produits. Cosca fils, qui est déjà super connu, mais c'était sympa de présenter ça aujourd'hui à l'audience d'Alogis sur, sur les réseaux sociaux. Merci, Restez connectés pour suivre Cosca sur Instagram. Je crois que vous êtes oui, sur Instagram. Koska, Insta, Facebook. Voilà. Et si vous voulez venir les voir sur place pour euh, bah, en même temps sentir un peu l'ambiance, tout ça, il faut venir vous voir dans vos boutiques. C'est ça, on est là, les trois boutiques. On vous reçoit avec un grand sourire. Et de la chaleur. Ah, bah ça se voit. Merci beaucoup, euh, Franck. Et puis euh, restez connectés voilà, pour une nouvelle émission. Merci, Romaine. Merci, à bientôt. C'était Coscas et Fils pour jeu Live. À bientôt et bon appétit.